Miséricorde, qu'il nous pardonne
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Bien-aimés,
Si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne,
et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter le fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, en cette fin du mois d'avril et en plein temps pascal, nous célébrons aujourd'hui la journée des déportés. C'est ce qui explique la présence de M. le maire parmi nous, du budget et des représentants des associations d'anciens combattants. Qu'ils soient bienvenus dans cette assemblée, car faire mémoire d'une telle dimension de la vie humaine, si éprouvante, si violente, c'est rejoindre ce qui nous préoccupe le plus profond dans la recherche même de notre foi. Aussi, votre présence ici ce matin donne une tournure particulière à la lecture que nous pouvons faire des textes qui nous sont donnés. Nous lisons dans la suite de l'évangile de saint Jean, le chapitre 15. Ce chapitre 15 fait partie du long discours que Jésus prononce avant sa passion, avant sa crucifixion. Il est donc lui-même confronté à l'épreuve, une épreuve violente qui sera difficile pour lui, comme pour tout être humain. Et dans ce discours, au chapitre 15, le mot qui revient sans cesse est le mot « demeurer ». C'est sans doute là une clé importante pour apprendre à bien vivre et pour pouvoir passer ce qui se présente comme des obstacles importants dans l'existence humaine. Demeurer. Mais comment et en quoi demeurer? Demeurer, c'est tenir. C'est passer à travers toutes sortes de réalités qui ne sont pas forcément celles que nous aurions choisies. Demeurer, c'est garder le cap coûte que coûte. Demeurer, c'est vivre au-delà de toute espérance pour atteindre le but final. Et Jésus nous dit, demeurer, c'est demeurer en moi comme moi je demeure en vous. Que veut dire cette expression? Évidemment, si on se représente le Christ comme
une réalité qui nous fait simplement face, et non pas une réalité profondément intérieure à laquelle nous appartenons, et qui caractérise profondément la puissance de notre humanité, il est difficile de comprendre ce que veut dire « demeurer en moi comme moi en vous ». Mais lorsque nous pensons au Christ, nous pensons à l'homme totalement réalisé, à l'homme totalement abouti, en lequel nous sommes compris, et qui nous permet nous-mêmes de participer à cette réalisation et cet accomplissement. Aussi, lorsque Jésus, dans cet évangile, dit « demeurez en moi comme moi en vous », il s'agit d'une réalité très intérieure qui concerne tout être humain. Demeurer profondément dans cet essentiel du vivant qui nous permet de passer à travers les épreuves et d'aboutir. Donc, demeurer en moi comme moi en vous. Lorsqu'on a cette foi-là, en un humain réalisé en Christ, nous pouvons prétendre vivre et à vivre pleinement, comme, selon la comparaison que donne ce chapitre 15, comme le sarment qui est lié au cep et qui, de ce fait, va laisser circuler en lui la sève qui va pouvoir produire le fruit. Il y a là une réalité de l'existence ordinaire qui nous est offerte pour caractériser la manière de vivre. Laisser cette sève circuler en nous pour que la vie puisse être plénière jusqu'à porter du fruit. Ce qui demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention de la part du vigneron comme de la part de chacun de nous, avec toutes les opérations qui se rapportent à cette culture de la vigne, dont certaines sont assez délicates puisqu'il s'agit de tailler la vigne, puisqu'il s'agit de mettre de côté les sarments secs qui partiront au feu, et ensuite de participer à l'abondance de la récolte. Donc il s'agit de demeurer en Christ au sens fort du terme, comme le sarment. Il est impossible de porter du fruit sans être connecté à cet essentiel de la source vivante. Et pour demeurer dans cette source vivante, il est important de demeurer dans la parole qu'elle nous donne. Cette parole qu'on vient de lire, cette parole qu'on est en train d'accueillir en la commentant, cette parole qui, jour après jour, cultive notre terre, l'alimente. Cette parole en laquelle nous sommes fécondés, qui nous transforme, qui nous fait grandir et qui nous permet réellement de demeurer juste en toute chose dans l'existence. Demeurer dans la parole, c'est vraiment une condition sine qua non pour demeurer dans la vraie vie. Accueillir cette parole à travers l'écriture, oui, certainement, et aussi à travers la rencontre que nous faisons les uns des autres. Chaque fois que quelqu'un nous parle, il nous annonce la parole. Chaque fois que nous lui répondons, nous annonçons la parole. En
quelle responsabilité de s'écouter les uns les autres, quelle responsabilité de se nourrir les uns les autres, quelle responsabilité de prendre conscience d'une présence active de ce Christ qui vit en chacun de nous, de cet homme réalisé qui vit en chacun de nous, pour nous faire dialoguer ensemble jusqu'à nous rejoindre. C'est ainsi que nous demeurons dans la parole. De même que, un peu plus loin dans le chapitre, comme ce sera la lecture de dimanche prochain, nous demeurons dans son amour, c'est-à-dire dans ce dialogue-là, dans cette relation d'unité profonde. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors le Christ dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous adviendra. À partir du moment où nous sommes dans cette justesse d'une demeure profonde qui ne cherche rien d'autre que le bien de l'amour, nous pouvons demander tout ce que nous voulons. À condition que, bien sûr, nous soyons vraiment enracinés dans cette profondeur de la demeure de Dieu. Et cela adviendra. Je pense tout spécialement à l'expérience qu'ont vécue les déportés de l'IUG, qui se sont retrouvés pendant de longs moments, dans des situations de désespérance, de découragement, et qui ont pu tenir grâce à cet encouragement de profondeur. On raconte dans leur expérience que, notamment, le père Aimé Lambert a attendu que tous les autres déportés soient décapités en les encourageant et en passant le dernier. Je pense que son expérience et l'expérience de ceux qui étaient avec lui étaient réellement l'expérience de cette demeure profonde dont il est question aujourd'hui. Elle n'est pas simplement réservée aux chrétiens, cette expérience. Elle est réservée à tous ceux qui veulent vivre vraiment, même à l'intérieur de l'expérience de la mort. Car la mort, la violence, n'aura jamais le dernier mot sur la vie. La vie triomphera toujours et nous devons participer au triomphe de la vie. Nous ne devons jamais accepter la victoire de la mort qui n'existe pas. Demeurons ensemble dans cet essentiel. Demeurons ensemble dans cet humain de profondeur. Non seulement dans les situations d'épreuve, mais au jour, là, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Accueillons-nous les uns les autres. Demeurons et vivons. Et du Père en tous les siècles. Il est Dieu.
fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie, par le Christ de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous prenons la parole, nous adorons, nous célébrons, 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 nous prenons la parole,
dont ta bienveillance reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as ainsi au sacrement du ciel, fais le passé de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.